Luc chapitre 12. On va commencer par la prière avant d'entrer dans Luc chapitre 12. Notre Père Céleste, nous te remercions pour parole. Nous te remercions pour l'effet que parole a dans la vie, nous. Continue à transformer nous. Nous te remercions, Seigneur, que parole, c'est l'histoire du monde écrite à l'avance. Nous avons des mauvaises nouvelles dans le monde, ça, nous sommes capables de comprendre. En plus, il faut qu'il y ait plus de monde qui a des nouvelles qui ne peuvent même comprendre. Mais nous-mêmes, nous avons une perspective qui est différente. Donc, on va prendre pour que ça tout bas, ça va faire parce que vous êtes dans l'histoire déjà. Nous prions au Seigneur pour tout le monde qui, dans le moment, ça, dans notre assemblée, qui a élevé nos bien haut par témoignage, par chant, par message, parole. Nous prions au Seigneur, on va faire onction de l'esprit. Même gens qui nous demandent onction de l'esprit pour nous-mêmes matin, pour nous tous qui sont dans la salle. Aidez-nous, Seigneur, pour nous être unis nous, en tant que chrétiens dans le pays. Ça. Pour ne pas, Seigneur, faire de division de dénomination. Mais pour nous focus sur ça qui unit nous, le salut par la grâce en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour les gens qui sont dans notre pays, surtout les pays musulmans, côté mon Dieu va réunir dans le moment ça, pour adorer, parce qu'il y a tué, l'illégal dans le pays ça. Nous prions, Seigneur, pour encourager les chrétiens ça. Aidez pour nous connaître que nous unis avec eux, parce que nous tous qui en Jésus-Christ, nous faisons un seul corps. Encouragez, bénis, protégez, dirigez, nous prions dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Petit message, non? Derrière qui ça quoi courir? Après quoi courez-vous? En général, théologiens, yo dit nous gain trois catégories de ça me dit que mon a trois bagages que mon a cherché dans monde ça. Tout ça mon a cherché dans monde ça, li en bas une dans trois catégories ça, c'est pouvoir, c'est plaisir, c'est bien matériel. Et tous les trois bagages ça, c'est orgueil en général qui fait nous chercher plus que normal dans bagages ça, c'est orgueil non, mais c'est plaisir, pouvoir et bien matériel. Si c'est des bagages ça qu'on va courir, bon Dieu fait nous dans le chapitre ça que nous n'ayons pas. Ça que nous devons courir après lui, c'est le royaume de Dieu, la justice de Dieu, qui déjà nous fixé sur bon Dieu, sur Jésus-Christ. Et c'est ça que le chapitre ça l'a montré nous. Pour ne pas vivre dans l'hypocrisie, tout, parce que bluff. C'est en pile fois, nous avons cherché bagages ça, c'est pour nous couvrir, il y a un autre problème qui est dans la vie. En pile monde, par exemple, je dis, un cap boit ta fière, bien cap prend drogue. Problème dans ces bannes d'affaires ni drogue là, sont l'autre problème que a couvert, sont masques liés. Et bon Dieu, les matins pour nous retirer masque ça. On commence dans Luc chapitre 12 verset 1er. Sur ces entrefaites, qu'on est sur chapitre 11, les gens s'étant rassemblés par milliers, par milliers, au lieu de se fouler les uns les autres. Bon, beaucoup manger matin, ça fait ça peut-être. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est quoi? L'hypocrisie. En général, dans la Bible, le vin, c'est symbole de péché. Mais il y a un péché en particulier que bon Dieu singularisé. Pour le vin, c'est hypocrisie. Le mot hypocrisie, dans la langue grecque, c'est un mot qui veut dire masque. C'est un masque. Les hypocrites sont masques ou mettez. Ça, mon royal, c'est pas ça qu'il est vraiment vrai. Et en général, c'est un bluff que lit parce que Jésus dit dans le verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être convenu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, en d'autres termes, bon, j'ai parlé avec le monde qui fait la paix avec, le monde qui a une relation avec. Il dit non, qui ça? Ne criez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ou bien l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Bon Dieu dit non, qu'en général, moun pour nous peur, c'est pas lui pour nous peur. C'est pour nous craindre bon Dieu. La Bible dit non, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un peu fois, nous craignons moun au lieu que nous craignons bon Dieu. Pour ça que nous craignons moun, parce que nous ne pouvons pas tuer nous. Même si on tue non physiquement, pas qu'à tuer un homme, non. Et ça, bon Dieu dit non. Mais les mêmes qui a tué et physiquement, et le qui a tué un homme, non. Tout. Donc, même si on tue physiquement, qu'on y a là, ou pas faire rien, ou qu'on a peut-être fait famille, mon bagaille, dans le thème que, il va le manquer, peut-être, habitude qui est en crié, il va le manquer, mais moi, on va faire rien. On m'a tué, ils ont fait. On va le faire mettre moins. On va faire rien, dit tout. Mais si bon Dieu tue, moi, j'ai un problème. Parce que je ne peux pas entrer dans la présence. Là. Et c'est ça qui est. Plus gros dommage que un monde capable de subir. Il dit non, verset 6, que nous avons valeur dans Dieu. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.
et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Moi, je ne vois pas même combien de cheveux nous avons. Et bon Dieu, lui-même, il connaît, il a un contrôle, moi, il a un contrôle. Ne croyez donc point, vous valez plus que beaucoup de pasteurs. Yo dis non, historien, yo dis non que pasteur c'est volaille qui est plus bon marché en Israël. C'est si vous prenez un salaire en Israël dans l'époque là, vous prenez un monde qui a touché moins de scobes en Israël, un monde qui a touché plus mal, plus pauvre en Israël. Et puis, vous regardez combien de scobes il fait par jour, vous divisez par 16. Et puis, vous jouez un prix, on passe. Ça veut dire, si on ne qui pas campagne même, c'est comme si ça qui peut marcher, ça qui peut marcher en Haïti pour mon manger. Peut-être sel, on dit sel. Peut-être du riz, mais on connaît tout pour être du. Sel? Ok, sel. Eh bien, vous faites de l'eau sel au bois. Donc, c'est comme si c'est sel. Donc, c'est pas qui bon marché. Donc, c'est ça. Vous dites, bon, vous dites, non, si c'est ça qui bon marché, que les gens contrôlent les mêmes. C'est-à-dire, la vie, belle ça, bon Dieu contrôle les. Et nous-mêmes. Les dit, non, verset 7. Les dit, non, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne criez donc point. Vous valez plus que beaucoup de pasteurs. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Songez pour ça, c'est devant les anges de Dieu, parce que Matthieu 13 te dit non, à la fin, c'est les anges de Dieu qui vont faire un tri dans le monde. Qui vont prendre le monde qui est bon Dieu pour le mettre la caille bon Dieu et tout autre monde pour le jeter dans le feu de la géhenne. Donc, ça que bon Dieu dit non, que il va le confesser. Non, ça va le confesser pour nous-mêmes. C'est le sang de Jésus-Christ. Hein? La foi que nous avons dans lui-même, la croyance, ça, la parler pour nous-mêmes. Nous devons râler, par contre, c'est dimanche dernier, sur Hébreux chapitre 9, qui sont un chapitre extraordinaire, parce que. Moi, à peine enregistré, donc l'idée est claire. Il y a parlé demain matin dans Radio Lumière, et en Hébreux chapitre 9, qui montre un rôle souverain sacrificateur. Il y a deux rôles. Souverain sacrificateur, le premier rôle, c'est sacrifice. L'offre font péché, qu'on conscient font péché, ou bien ton bête balé pour le sacrifier pour eux-mêmes. Parce qu'on conscient de péché ça. Mais il y a des péchés offerts, on ne même connaître, on ne même conscient de eux. Ça, c'est le deuxième rôle que souverain sacrificateur a gagné. C'est une fois par an, il rentre dans le lieu très saint, dans le temple, pour la prière pour le peuple, pour tout péché que vous-même connaissez au fait même. Et je dis, qui monde qui souverain sacrificateur moi m'avait Jésus-Christ. Non seulement il fait sacrifice déjà à la croix, toute histoire écrite à l'avance, avant Jésus-Christ sur la terre, toute histoire est écrite déjà, hein? Toute histoire ville. Donc Jésus-Christ est souverain sacrificateur moi m'avait le nom approché, le nom dit non, admettre que nous sommes pécheurs. Et nous croyons que le démon est à la croix pour nous-mêmes. C'est comme si moi avoir qui bouton bête, bah, sacrifié pour nous-mêmes. Jésus est l'aïeul de Dieu qui. Autre le péché du monde. Donc c'est comme si nous portons bêtes là, nous portons sacrifices là, nous portons moutons, ayo. Jésus est l'aïeul de Dieu. Donc c'est ayo pas non, c'est ayo pas, c'est ayo pas. Donc nous acceptons ça, nous conscients du péché ça. Seigneur, nous connaissons que je ne suis pas bon, nous connaissons son pécheur. Moi je voulais sauver, m'accepter sacrifice Jésus-Christ à la croix. Mais Jésus-Christ a l'autre rôle que l'a joué encore. Donc. La Bible dit non qu'on y a Jésus-Christ lit dans le lieu saint, très saint, l'a intercédé pour moi avant. L'entrée dans la sainteté de Dieu, même Jean, temple, tu as le lieu saint, et un rideau, un voile, tu as le lieu très saint. Songez, là, Jésus-Christ mourit, voile, ça a passé. Déchiré en deux. Ça veut dire qu'on y a moi, avoir un accès. Accès à ce Jésus-Christ qui est non encore. Lui, voile, ça pour nous. Donc, nous sommes capables d'entrer dans la présence de Dieu. Je dis ça que Hébreu dit non, approchons-nous devant le trône de la grâce avec assurance. Parce qu'on y a là, nous avons libre entrée, libre accès à bon Dieu. C'est un extraordinaire. Donc, sans ça, il commence à parler pour moi avec vous, je dis, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Verset 9. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera réuni devant les anges de Dieu. En Job, il mettait dans la géhenne. Verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Verset 10, là, nous allons prêter sur les top parce que, mais que ce verset qui est important, mais nous avons débattu déjà le week-end dernier, qui était le péché impardonnable. Nous montrer que, où on va parler Jésus-Christ mal, j'en voulais, et vous ne pas gagner un rival. C'est comme ça que Jésus s'est appelé. Mais il dit, depuis que c'est l'esprit qui parle avec vous, ou pas répondre, ou non problème. Pour ça, je dis à nous, tout le monde qui a blasphémé le nom de Jésus-Christ. Nous, que si vous blasphémez le nom de Mahomet, vous coupez tes dos. Ah oui? Nous, ça qui passe en France, ah oui? Charlie Hebdo. Nous, ça qui passe, qui bosse Danemark, ah oui? Danemark.
Ils ont tué le monde en Danemark encore pour même cause ça toujours. Et ils continuent à faire. Mais Jésus-Christ, mon fait dit ça au vle. Il fait film en parlant sur Jésus-Christ. Il montre le madame, il montre l'homosexuel. Il montre tout le monde a réclamé Jésus, c'est pour eux. Homosexuel, il dit c'est homosexuel lié. Maçon, il dit c'est maçon lié. En parlant vaudouisant, il dit c'est vaudouisant lié. Tout le monde a réclamé. Vous comprenez? Ou qu'on est même musulman, dit Jésus-Christ c'est musulman lié. Ou comme ça? Tout le monde réclame. Et pourtant, Jésus n'a pas fait rien pour ça. Il n'a pas coupé tête. Personne ne veut ça. Il relax. Parce que bon Dieu connaît ses péchés, nous, ses péchés, nos péchés. Mais, il dit non, c'est l'esprit, bon Dieu. La convainc non, de péché. Pour nous accepter, de justice. Pour montrer non, ça ne peut pas le faire plus devant. Bonnes œuvres, non. Justice, c'est bonnes œuvres. Et de jugement, non, ça ne peut pas le faire plus devant. Sinon, pas accepter. Sinon, pas quoi? C'est bon Dieu, c'est à cœur la parler. C'est à cœur la parler. Sinon, pas accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour payer des péchés, non, nous avons un problème. Parce que c'est ça pour sauver, c'est croyance ça pour sauver. Donc, nous ne pouvons pas retourner sur l'aspect ça. Bon, je montre que. Dans le verset 1er, pour nous éviter, pour nous faire ça, pharisiens, on va faire. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Matin, c'est comme si bon Dieu dit on va voir, quittez ce bon Dieu retirer masse là. Parce que c'est un danger que lui, pour moi, avoir, on a plus de timon surtout. Et puis, on a vivre, il y a un bagage qui est contraire à ce qu'on a dit. Il y a un assemblée qui fait expérience, qui a fait l'école. Et puis, il y a un. Il y a un étude biblique dans la classe là. Et puis, il y a un côté qui a un rapport avec l'aspect ça dans la Bible. Aspect de hypocrisie, pharisien. Il y a un cap dit mon fait, mais il n'y a pas fait. Et puis, il y a un petit monde qui dit Madame Intel, c'est même j'ai avec Intel. Il y a un exemple. Vous savez pour exemple là un petit monde qui connaît que Intel, c'est même pas la fait. Ça, il dit non fait, c'est pas la fait. Par contre, il dit même j'ai avec Intel. Petit monde qui n'est pas égaré. Il y a un connaît. Moi, ma foi, bon, je veux pour nous réel. Retirer masse là, qui des monde dans Jacques Noyer. Nous tous qui là gain force et nous tous qui là gain faiblesse tout, vous voyez? Pas des monde qui gain force seulement, pas des monde qui gain faiblesse seulement. Pas des monde qui des géants spirituels, nous tous gain faiblesse. En qui des monde ouais, non pour comprendre qui ça veut dire. Moi très à l'aise pour qui des monde ouais faiblesse moi. Pour quand pour qui raison? Parce que pile fois, mon a fait des compliments pour Calvary Chapel, mais il pas connaît. Je ne sais pas rien à voir avec ça moi-même. C'est bon Dieu qui a fait le travail. Mais moi-même qui ai faiblesse, pour que je ne pas besoin. Et si je n'ai pas besoin, que bon Dieu est capable d'utiliser. Donc ça veut dire que bon Dieu a utilisé n'importe quel tout. C'est juste voulez pour voulez. Donc le plus bon pour me quitter mon faiblesse, pour capable comprendre ça. Je n'ai pas besoin. Même voulez, ça me connaît, je voulez. J'ai une chance à chanter ça. Chaque temps, chance à chanter, tout comme tremblé. Parce que moi aime Jésus, vrai. Moi aime en tel, même quand crier dans le bas. Moi quand dit ça fait non comme crier, mais j'en dois encore. Et moi aime Jésus vraiment vrai. Moi connais moi même. Mais ça pas veut dire ma faire pour ça non. Moi tu comprends? Donc faire monde connaît ça. Moi aime Jésus à toute force moi. Moi mettre couper tête moi pour Jésus pas un problème. Yo couper droite moi crever j'aime pour Jésus pas un problème. Moi aime Jésus tout ça veut me veut et pourtant quoi ça me faiblesse toujours. Donc faire monde ouais ça. Pour qu'on ait que Jésus capable d'utiliser dans toute faiblesse ou pendant qu'on a la chair, on a toujours une faiblesse. On ne peut pas lier nous à gauche à droite parce que nous peurons. Et peurons, bon diable dit non, pas peurons, peurons moi-même. À plus fois, nous allions nous à gauche à droite parce que nous peurons. On va prendre deux exemples. On va pas le faire. On va prendre l'exemple leader haïtien parce que on a la politique des autres. Quand on a un petit problème, nous sommes plus confortables à faire la politique des autres. Oui? Surtout américain. Il y a un gros dos, c'est un gros pays. Il y a un gros dos. On va prendre un bon exemple. Que erreur que nous avons capable de faire. Qu'on a allié non avec des leaders. Premièrement, c'est on dit qu'on veut allier dans l'extrême droite. Soit les États-Unis, ou une extrême droite, c'est les républicains. Et puis là d'ailleurs, sous prend monde qui plus gros autobrien, c'est le président des États-Unis, George Bush, comme un exemple, comme dernier président républicain s'est passé. C'est monde qui affiché comme chrétien, ah oui. Qui contre avortement, qui contre mariage homosexuel. Mais moi défié pour dire qui ça le fait contre bah ça. Pendant 8 ans. Rien. Donc ce sont des rhétoriques parlant pile. Il y a un monde hier qui m'a définition politicien. Hier, il y a un monde qui dit, vous connaissez qui est un politicien, si vous voulez définir, un politicien, c'est un monde chaque temps bouche, il bat et menti. C'est politicien. Il n'y a pas là pour venir défendre une cause, comme une cause, un yon groupe ou bien un monde. Il y a pour défendre une cause pays. Vous comprenez? Donc, en pile fois, j'ai un problème avec mon prénom, bon, mon appel ça. Mais moi, personnellement, j'ai un problème avec un pasteur qui vient président. Le pasteur vient président, c'est comme si je bouchais mes mains là. Vous comprenez? Mon assemblée est capable de président pays, vous comprenez? Mais pas moi-même. Parce que là, ça, moi, je ne peux pas dire encore. Est-ce que je peux dire ça, je ne peux pas dire là? Je ne peux pas dire encore, non?
Allez, c'est président Mikonia, président Vodouisan, président Masson, président chrétien, président musulman, président tout le monde. Je ne peux pas parler de n'importe quel genre encore, on y a là. Donc, bouche fermée. Donc, c'est le président qui me dit ça. Oui. Même si on dit que c'est chrétien, mais ça, quel que soit ça, pour dire, pour élu président, il y a deal. Je ne sais pas. Nous allons faire la politique des uns, mais nous connaissons bien le monde même. Il va afficher dans le bon même. Moi, je suis un maçon, moi, je suis un ougan, moi, je suis un catholique, moi, je suis un protestant, etc. Je ne sais pas. Pas allié, non. Nous n'avons pas besoin de peur pour ne pas allier, non, pour le monde. Non. Bon, je dis c'est moins pour une peur. Dans l'extrême gauche, qu'on y a longtemps, au moins, en Israël, c'est l'extrême droite, les pharisiens, qui ont hypocrisie ça. Mais je dis, on a une extrême gauche, c'est un monde qui est très libéral, mais qui hypocrite toujours. Tout. Ou même l'autre, courir pour le monde, ça, et pour courir dans l'autre bord, c'est courir pour l'appui ou tomber. Dans la rivière, ou elle tombe sur Jimmy Carter, sur Barack Obama. Jimmy Carter, c'était un qui ça? Un pasteur, pas vrai? Mais il est pour le mariage homosexuel. Il est pour l'avortement. Mais on se comprend? Quand il y a même moi, aligné à gauche ou dans un pire. Aligné avec Obama, semaine dernière, nous connaissons Obama qui fait quelques déclarations. Nous connaissons quelques gens dans l'église qui étaient dans l'un ça, qui étaient dans le déjeuner ça, Washington. Côté monsieur, a montré que musulmans n'ont pas si violent que ça, chrétiens et même maralantou parce qu'ils ont fait croisade, inquisition. Mais son chrétien dit lié, je ne sais pas. Son chrétien dit lié. Et je ne vais pas dire trop de ça, mais le deuxième maracle te dit qu'il t'a attiré attention. Il dit chrétien, il faut admettre que ce n'est pas eux seulement, ce n'est pas christianisme seulement qui gagne vérité. Je ne sais pas, non? C'est comme si ce n'est pas Jésus-Christ seulement qui chemin. Hein? Que tout l'autre monde gagne vérité en tout. En d'autres termes, tous les chemins mènent. Malheureusement, ce n'est pas à Rome que nous parlons nous-mêmes, mais oui. Mais quand tu comprends, non? Vous connaissez, si vous-même, vous n'avez pas lié avec Mounsao, parce que le président, il est lettré, très lettré, son n'est qu'à dans la plus grande école qui est dans le monde, là, Harvard, pas vrai? Dans toute enquête qui fait, il met Harvard numéro 1 dans le monde. Et c'est là le fait, avocat. Ça veut dire son intellectuel fin, et pourtant son handicapé spirituel. Mais quand tu comprends, non? C'est handicapé spirituel, il ne connaît pas ça, Abdi. Donc, bon, je dis, non, pas allié avec Mounsao. Nous-mêmes, allié avec. Fais confiance, m'a mené dans côté que nous avons besoin d'aller. Nous n'avons pas besoin de peur. Gagnons une déclaration que moi, qu'on fait longtemps, l'église, nous avons venu lire un bagage similaire qui fait plaisir. Tout le temps, nous avons commencé à dire que si, bon, Dieu, bah, l'église, ça, 100 hommes, 100 hommes qui remettent Dieu à tout cœur, toute force, toute âme, qui voulait servir bon Dieu tout bon vrai, il suffit pour changer pays ça. Et moi, quoi ça toujours. Mais bon, auteur qui montre que 100 hommes n'ont pas, et pas juste son pays seulement. Et tout le monde l'a changé. C'est A.W. Tozer, qui sont un théologien 20e siècle, là, qui dit non, bam, 100 prédicateurs de l'évangile, qui n'a pas peur en rien excepté péché, qui n'a pas désiré en rien dans la vie ça, excepté bon Dieu. Et m'a besoin qu'on ait si aucun diplôme théologie ou pas. On connaît, il est capable de secouer les portes de l'enfer et puis pour set up royaume bon Dieu solide sous terre. 100 hommes pour toute la terre, tout l'univers. Moi, je dis 100 hommes pour Haïti. Je suis obligé de réviser comme si Pamna à la baisse. Je suis obligé de dire 10 garçons. Il y a deux bagailles. Matin, après service, il y a un monde qui dit pasteur, mesdames, il y a fâché pour ça dire. Il dit au moins des 10 garçons. Et mesdames, il va les mesdames solides qui sont dans le pays là. Madame ça do. Et me madame solide dans vie m'do. Madame moi solide petit film solide. Yo pas parler mais sou konnen ou konnen solide. Petit film fort pour que moi dans toute bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille m'do ça littéralement. Donc même konnen tout que monsieur yo pirede. Ou pas comprendre non? Monsieur, ou pas mener aucun côté non? On m'en tête Dieu. Bon Dieu met pas tout fiole transformer yo. Monsieur a traîné dans ça pas ça quand même. Vous comprenez ça? Il y a traîné dans la ça quand même. Hein? D'ailleurs, mesdames, il y a même belle rosée. Vous comprenez ça? Et comme on a parlé l'autre jour, vendredi, on a parlé dans le chapitre livre qu'on a fait. On a pas dit ça, comme on a posé la question. Pasteur, pour qui ça que l'église Calvary n'est pas d'accord pour une fille pasteur titulaire là? Nous avons plusieurs raisons. Et c'est même balan toujours. Il y a une raison. Il va prendre. Il va prendre. Si le leadership là, en dans l'église, il va prendre dans le cas là, il ne peut pas marcher. Toute femme, ouais, en général, pasteur qui connu aux États-Unis, checker ouais. Ou après, tout le monde est divorcé deux, trois fois déjà. Pour ça, garçon n'a pas accepté ça. Garçon, c'est un monde qui est dû lié. Il n'est pas d'accord ça. Il dit, il n'est pas marché dans le calan, il n'est pas marché, il n'est pas venu l'église. Il n'est pas venu.
Et deuxièmement, parce que pas non moi-même, tu vois, je connais que on fit à leader là, la souchesse à la côté de mien là, matin, ouais, mon chemise tout neuf, madame, maman, ouais, c'est son fils qui a un tirade tout neuf là, ouais. Je ne sais pas le faire avec. Il va mettre un petit peu maintenant tout neuf avec. Il va mettre un petit talon qui met hauteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Et puis, le cognac, cheveux, il a baissé la tête pour les cheveux, il n'y a pas le descendre, le cognac, il n'y a pas le. Et puis, tout garçon là, pas un message encore. Il va vous, monsieur. Oui ou non, monsieur? Dis-moi, amen si c'est vrai. Ça va me dire, je fais expérience déjà. Je fais expérience déjà. Mal aux États-Unis, dans une conférence des pasteurs, et ça arrive exactement genre M. Doulian. En conférence des pasteurs, il y a des centaines de pasteurs. Et puis, groupe Cap Joyeux, c'est garçon seulement là-dedans. Jusqu'à ce deuxième jour, il y a un groupe qui vient qui a un seul fil à donne, qui c'est le lead vocal là, dans le groupe là. Et puis, il fait tout ça, ça découle là. Et puis, conférence là, fini pour pasteur. Donc, on guide ça là. Amen. Et Jacques nous dit sans garçon. Bon, nous n'avons pas besoin de peur. Il y a un pile de monde qui ne veut pas avancer là, c'est peur, peur. Il y a peur. Tout bagaille. Il y a peur. Moun, il y a peur leader. Il y a peur pour ne pas manger. Si absolument déjà, bon Dieu dit, celle-là qui ne peut pas lever petit, il y a peur, tout bagaille. Bon Dieu dit non. Dans Isaïe 54, verset 17, tout homme forgé contre toi sera sans effet. C'est ou bien on croit bon Dieu, ou bien on croit ça, monde l'a dit. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bon Dieu connaît que pour un qui est sensible pour moi avoir là, c'est l'argent. Ils ont fait tout de suite, ils ont enchaîné l'histoire avec une histoire d'argent. Verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, Luc 12, 13, au milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Mais on se comprend que Jésus-Christ est venu sous terre ça, première fois. Il n'est pas devenu en tant que juge, non? Il est devenu en tant que sauveur. Là, il a retourné deuxième fois, il est venu en tant que juge. Ça veut dire, moi-même, qu'il a dit avec Paul, on a répété verset à tout le temps, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ça veut dire, nous-mêmes, tous, nous pas juge. Nous comme ça, y'a oui. Mais quand il y a des gens qui pensent que Donyo, c'est juge. Nous pas juge. Plusieurs fois, mon église qui est bien intentionné, moi je connais que bien intentionné, sincère, quand je dis pasteur, je connais que ou pas conseil de sujet, ou pas tellement, mais, de l'autre côté, mais on ne connaît pas le venir. Mais c'est ça, il faut mettre des gens qui contribuent. Ou bien, mais, il faut mettre des gens qui habillent l'autre genre. Moi je comprends. Je dis que, je ne suis pas capable d'aller dans un sujet qui n'est pas dans le chapitre là. Autrement, je ne vais pas le garder. Je ne comprends pas. Quand il y a ce sujet, je ne vais pas le prêcher tout le temps. Mais ce n'est pas ça nécessairement que bon Dieu voulait parler avec. Je suis obligé de rester dans le chapitre côté que moi. Deuxièmement, je ne suis pas juge. Bon Dieu n'est pas juge sur la terre, elle est devenue. La vie dans moi-même, je ne suis pas juge. Tout. Moi, j'ai une préférence, moi. Je dis non, ça. J'ai une préférence, moi. Si c'est pour moi-même, ouais, moi-même, moi, bien colté. Bah, ouais. Et si son garçon m'aime bien colté comme ça, ça veut dire que nous, quand ça me donne des mieux, bah oui. Et bien colté encore, c'est super colté. Je n'ai préférence moi. Mais c'est bon Dieu pour faire. Si vous faites parce que l'église en dit ça, vous faites l'église là. Vous ne pas faire le travail là. Vous ne pas faire dans la rue. Hein? C'est bon Dieu pour convaincre cœur. Et vous même pour d'autres gens pour habiller. Je n'ai préférence moi tout. Si le mesdames mettent les pantalons, les trois serrés, vous faites le même javem que la chemise dans couvrir. Vous comprenez? Mais si vous ne faites pas, ce n'est pas moi-même. Ça, c'est eux-mêmes. Moi, je dis ça, et là, parce que c'est biblié, non? Je ne pas bien colter parce que la Bible est bien colter, non? Je dois bien colter parce que encore, je parle pour monsieur mieux qu'il a. Je ne sais pas. Et là, vous, monsieur, nous connaissons que ça branche, monsieur, si pas allons l'aile trop serré dans derrière, que vous couvrez-le. Je connais la BD de monsieur mieux tout, le ou bien colter. Je suis un qui très curieux de pour ouvrir le map gardé. Tout bon, là, faites-moi. Comme si, au curieux. Il faut garder puis qu'on y a là on a regardé tête on dit si ça mon doit penser parce que on depuis l'ouvrir m'a regardé tout bon hein m'a regardé mais c'est une grande curiosité naturelle et pas seul ça non tout pareil qui neuf besoin connaît moi je comprends et mais debout mettre le neuf devant besoin connaît on depuis qu'on y a parlé avec qu'on y a moi j'ai pas regardé danger comme monde qui on monde comme madame
avant m'a en l'aime garder en bas m'a regarder parce que moi connais des regarder droite m'a regarder quand même ou mettez dans problème là et moi connais mettez monsieur mieux dans pile problème et si monsieur d'accord dit amen. Ouais. On va donc you need the Lord, ya vrai. OK. Verset 15. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, bonheur moi m'avoir pas dépendre de biens matériels. Et ça bon Dieu dit nous matin. Et là quand il dit non pas peur monde parce qu'en général là non peur monde, c'est pour mode baie ça, oui. Comprendre si me parler on va gagner mon appareil mais il pas bam job dans pays ça il pas ceci dans pays ça il quatrième dans pays ça on vend bonjour on vend bonheur pas dépendre de ça relax c'est que frère verset 16 il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici dit-il ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. En plus, le monde a identifié ça, oui, pas vrai? Les mois avant, n'abserrer, c'est pour, on prend pour nous gagner la tête. Non, je vais venir, pas vrai? Et dire: repose-toi. Monsieur Abdi Namni, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Regardez bien ça, bon diable. Non seulement que vous avez ramassé, ou parce que vous avez peut-être ou vous avez perdu n'importe qui. Songez, tu es un pays africain, parce que vous avez des jeunes garçons qui ont une révolution dans le pays. Hein? Et puis, vous avez une bombe sur la Banque nationale, et puis tout le monde a gagné dans la rue. Ben, ça a toujours marqué depuis longtemps. Je me dis, monsieur, où est mon cap serré comme? Serré. Et puis, vous prenez une loi, la Chambre, avec l'exécutif, là, mettez ensemble, vous prenez une loi. Il a déclaré qu'on pas voyant encore, il a tout facile, retirer ça ce nom. Nous pas besoin comme ça encore. Comme ça, pas valable encore. Et puis, il a émis l'autre billet. Comment? L'autre monnaie. Imaginez vous-même, quand vous ramassez, et puis, il a déclaré qu'on blanc pas besoin. Ou mettre Baïti Moun pour faire jouer comme avec. Ou mettre pas besoin encore. Ou je dois te dire que frère, ou pas connaître ce qui va venir demain. Bon Dieu connaît ce qui va venir demain. Il a pension, il a protégé. Mais comment est-ce important pour nous garder dans verset 21? Ce n'est pas problème. Amasser, un autre problème non. C'est pas amasser pour tête ou. C'est pas question de riche non comme problème. Moi j'ai un problème avec mon riche. C'est le qu'on pas riche pour bon Dieu. Mais quand tu comprends non, à deuxième c'est arrogance, orgueil, on besoin au-dessus des autres. T'as des versets peut-être encore. Prends pas ça dans pour les biens ou après bon Dieu pas grand rien contre mon riche. C'est leur pas riche pour bon Dieu. Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ou qu'un riche pour Dieu. Et de ça, m'a parlé en matin, il a parlé de un gars là qui était fait bien, qui était passé bien hier soir, et puis m'a dit, assemblée, en bonne vie dans tête, moi. M'a réfléchi. Dans gars là, ça, tout ça, on dit qu'il était fait l'embarras qu'a fait, il n'a pas ça, moi-même. Vous comprenez ça? M'a pas un talent, ça. M'a pas un talent pour mettre des cérémonies, m'a pas un talent pour me chanter, m'a pas un talent pour jouer musique, et ça, c'est l'homme que t'as fait. Bon Dieu, équipez chaque monde pour un rôle bien déterminé dans le royaume. Mais il faut nous comprendre ça. Bon Dieu pas dit non, le fait que nous faisons confiance là, que nous chita, et puis nous avons tant de manger dans la bouche, non. Non, nous avons développé talent, nous avons vu le potentiel, nous avons éduqué pour Dieu, vous comprenez? Nous avons un talent pour Dieu, nous avons riche pour Dieu, c'est pour le royaume. Il faut nous mettre ça dans la perspective. Yo. Parce que nous devons aller dans l'extrême ou bien dans l'autre. Donc il faut qu'on comprenne que ça bon Dieu Abdou là. Il est OK pour riche pour Dieu, il est OK pour très éduqué pour Dieu, il est OK pour grand pile talent dans quelque soit domaine pour Dieu. Mais c'est pour Dieu, pour glorifier non les que tout bagage ça fait. Gain d'ailleurs pour nous font pile bien non sérieux, nous quitter pour petit non c'est gaspiller. Autre comme ça. En général, il fait tout monde plus mal que bien. Imaginons ou même qui levé dans famille et puis ou multimilliardaire. Ou jeune maman papa qui ton paquet de milliards beau. Qu'il y a l'école pas intéressant encore. Ou a fait l'école pour qui ça? Faut être curieux, on va pour l'école comme ça. On va apprendre métier, pour ça on va apprendre métier. Mais on comprend? Ou pas le travail? Non, pour ça pas le travail. Et bien qu'on y a, puisque la nature a horreur du vide, l'on va faire bailler ça, ça n'a pas le remplacer par l'autre bagaille, amen. Et là, tant nous. Dans pile bagaille de yon, l'on va mettre en place yon. Ça fait qu'il y a un homme riche États-Unis qui est Warren Buffett. M'sieur dit qu'il n'y a pas quitté comme pour héritier yon. Nous avons quelques années de ça, bah, peut-être dans 3 ans, 4 ans de cela, M'sieur dit qu'il y a 42 milliards de dollars, il y a Bill et Melinda Gates
Foundation, Fondation Bill et Melinda Gates, il y a 30 milliards dans 42. Bon, là, ça m'a intéressé, il dit c'est bon, ça va faire, il va pas dépenser. Il va aller faire œuvre de charité. Et puis, petit palio avec neveu, nièce, tout le monde qui famille, il dit, je ne vais pas quitter 50 bonnes. Et ça, il dit, jusqu'à maintenant, le bizarre de il dit, si nous besoin apprendre l'école, dis-moi que l'école, nous allons aller payer l'école pour nous mesier, nous voulons aller à l'école pour nous apprendre. Nous besoin faire business, je vais nous faire initial pour nous commencer, et puis je vais nous conseiller pour nous faire business. Ça, c'est l'icône faire business vraiment, oui. Pendant que nous parlons là, il était fait 30 milliards, il y a 42 milliards, il y a 45 milliards encore lui-même. Nous avons dit, l'icône faire business. En fait, si nous avons eu pour toute la journée, il y a bon réclame pour lui, il y a de cliquer à dans cliquer ceci pour de ça Warren Buffett penser de tel ceci c'est parce que il y a des monde qui a truqué parce que tout le monde connaît monsieur Favre, il y a des monde qui a truqué au cap essayer aller dans l'autre visite, les mettre non monsieur devant pour cliquer là dedans. Les compte business vraiment vrai. Mais pour ça parce que le disciple qui était tout comme ça pour tout monde, si on n'a pas gain rien pour le faire encore dans la vie, hein, c'est comme son poids facile lié pour toute qualité de notre bagage. Mais bon Dieu connaît ça, Dieu ne pas amasser un bon bagage pour nous, il va régler rien pour nous. La Bible vient donner une idole dans la vie non, et son péché de idolâtrie que nous allons commettre. Parce que bon Dieu dit non, après qui ça qu'on a couru, couru derrière bon Dieu a un plan pour la vie non. Qu'on a un plus gros problème que nous fait face, m'a suivi moi-même pendant analyser, bagarre tant qu'assemblé. C'est parce que moi m'avais n'a couru derrière un bon bagage et ben ça pour courir derrière nous mettons un masque dans figure non. Pour ne pas vraiment connaître vrai nous-mêmes, et d'en causer des dégâts dans l'autre génération, et nous-mêmes, en tant que nation, nous ne pouvons jamais avancer. Notre complexité en tant qu'haïtien, en tant que culture, moi, j'ai une petite photo, hein, l'homme de Timon, que Père Lafontaine a fait pour moi avec Tifom, non? J'ai une petite photo en noir et blanc, et côté, maman m'a dit Van Kennedy, donc j'ai une petite veste Kennedy sur moi, et puis Tifom m'a campé là. Puis, une petite photo. Et puis, ma fiche photo, là, quand même, qui vient, ah, c'est ça, ma photo pour moi, ouais! C'est pas ça, il y a. Mais on se comprend, non? Ordre, c'est pour ça pour mon ouais, pour mon ouais, côté de sortir, côté de m'arriver, pour l'autre monde qui a gain espoir, inspiré par ça. Puis on fait même bagarre dans tout, mais on se comprend. On va me sortir dans en deux, mais on va laisser, mais on va laisser, maman, c'est mon défaillé, papa, c'est mon pagesse. Comprendre? On connaît maman, pas de conlit, papa, c'est élémentaire deux qu'il fait. Mais on se comprend. Mais moi, je fais 4 ans à l'université pour ça. Je fais pile fois avec. Donc, si je suis arrivé là, n'importe qui est capable de tout. Son inspiration qu'elle doit. Mais en pile, ici, vous mettez masse là dans la figure. Tout le monde fait tout riche. Tout. C'est un pays pauvre, nous faisons. Qui est-ce que vous avez là? C'est un pays pauvre, il y a un pays sous-développé. Mais quand vous comprenez, c'est un fond réel. Nous connaissons que, il y a un jeune dans l'assemblée que je connais personnellement, qui a un pile potentiel, qui n'a pas avancé peut-être dans grande raison. Grande raison liée? Orgueil. Il n'y a pas dit au baron. Il n'y a pas de mourir là. Il y a de mourir qu'on est, mais il n'y a pas de connaître. Je fais expérience avec Yon Ladeo qui était dans la classe informatique avec nous. Nous avons une classe d'épanage là. Moi, je suis un potentiel. Moi, je suis arrivé loin dans le domaine informatique. Mais je ne suis pas capable de comprendre. Orgueil. Je suis dans la classe là, je suis suivi. Je suis parlé, je fais exprès, je parle. On va en façon, on va en scripté. Et puis, quand il y a tout le monde a dit, parce que c'est tellement, mal aimé, monsieur, il était là, il ne va pas dire rien. Pour ça, mon a connait pas comprendre, bon pas comprendre. Mais quand se comprendre, faut ouais j'en monde bloqué en fin de compte, liquider classe. Parce que cool venir côté connia, on va en test. Tout pour faire note, il pas faire note, il tout quitter ça. Pour pas dans position ça encore. Faut nous faire en pile attention avec ça. Faut nous réel, faut nous authentique. Si c'est le si bon Dieu pas nous pas quitter retirer masque là, l'autre génération après retirer masque là. Il pas faire nos confiance. On nous fait attention avec bagay sa ou. L'or hypocrite ou venir irrationnel. Parce que ou pas gen bon jugement. Ou venir comme un qui fou, un monde tête chaud, un fou doux. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. En d'autres termes, bon Dieu dit dans tout bagay sa ou lié, oui. Ou ramasser parce que ou inquiétez. Il y a des gens qui disent, waouh, eh bien, il n'y a pas de chrétien, jamais inquiété. Depuis que bon Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, c'est que le connaît, qui ça? Ou a bien inquiété? Moi, je m'avoue. Mais tout a bien inquiété. Ce n'est pas inquiétude de l'angbara, mais c'est Jean-Claude Lavelle. Bon Dieu dit, c'est au maître, moi, yo. Vous connaissez inquiété, tout. A pile fois, que, je n'ai pas un monde qui relève petit moi chaque jour, mais madame relève chaque jour. Mais même moi, que je relève, je m'attendais à ça, je dis, yo, en forme, yo, pas en forme, yo, je cours à la prière.
Marie, c'est comprendre. Ou inquiété de temps en temps. Yo loin, ne pas quand ça va passer, même la prière. Parce que ça bon Dieu dit me fait, il dit la prière. Au lieu m'inquiéter, gain toute qualité moins la prière. Il dit non verset 23, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Question ça moi même verset 25 là. Répondez question ça côté d'eau. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En fait, wap qui ça wap retranché. Pas de quoi? Wap retranché, ou pas ajouter mais wap retranché. Verset 26. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? L'inquiétude si ça va le faire pour vous, ça va régler pour vous. Il y a un bon monde qui était yo collé dans le passé. Comment son problème ça est tout collé dans le passé? Bon, ou qu'a changé passé ou? Ou pas changer le bail vague. Qui t'est passé est passé. Il est passé déjà. Et présent qui est important qu'on a. Non, présent, il a préparé le futur. Et bon Dieu l'a avec. Et il promet tout. Il n'y a pas jamais quitté ou il n'y a pas jamais abandonné ou. Bail vague. Qui t'est passé dans le passé. Il n'y a pas besoin de salter. Bail vague. Il dit dans verset 27. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis. Je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Gens de peu de foi. En d'autres termes, tout temps et que tu dois monter plus, c'est moins foi au gain. Ou pas vous faire bon Dieu confiance. Verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il est difficile pour moi d'avoir pas inquiété. Pourquoi ça? Très difficile même. Mais qui ça, non, site que les passeports santé que je vais donner dans RFI, puis je vais checker pour sujet médical. Mais ça qui dit que stress by moon leur inquiété ou li accélérer vieillissement ou ta même vieillir vite et bien stressé moment ton petit grand monde là nous on gagne on doit que les mettre lancer on gradi comment son problème parce que tout non METH son drogue sous fait 2 ans apprendre c'est comme sous vieillir pour 20 ans chaque un an fait apprendre c'est 10 ans vieillir. Si vous allez internet faire regarder fin taper mot METH et puis aller dans image ou penser des dames qui ont genre quand ça flop et puis 22 ans 23 ans et que tu grand monde vieilli et ben ça c'est sa photo c'est sa photo même bagarre là vieillissement déficit nutritionnel déficit immunitaire ça veut dire qu'on ne pas bataille contre maladie ou malade facile ulcère d'estomac ça nous connaît déjà ya oui. Mais ça m'a connu que le bail problème gynécologique tout m'a connu ça le bail problème santé mentale ça nous va admettre les tout les dit la ou développer des maladies à composantes psychosomatiques tout ça que qui dans l'esprit nous connaît dans psyché les agir sur soma c'est corps donc les dans psyché dans l'esprit les agir sur corps et toute qualité bagaille qu'a développer dans corps par rapport à ça cerveau à balayer comme commande au cas de développer cancer, tout qualité maladie, oui? Juste stress. Et bon Dieu, pas inquiéter parce que le connaît bagay ça lui-même à l'avance. Et qu'on y a laissé ma bino bagay ça, mais mon Dieu bagay ça longtemps, comment ça pour nous-même? Comment ça li banou longtemps. Il connaît. Et puis ensuite, il dit que li aggravé toute maladie qu'on gagne. Ou malade déjà et bois stressé ou vinn pi mal toujours. Bon Dieu bagay vague. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est remerciement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon Dieu, tout ça est lié ensemble. Hypocrisie, poursuite effrénée de biens matériels dans le monde, ça, inquiétude, tout ça est mêlé ensemble, mélangé ensemble. Bon Dieu, remède là contre tout ça est. C'est servi mon, hein? C'est remet mon. Hein? L'homme occupé de monde qui a un problème. Oubliez vos problèmes.
Quand c'est deux jours là, m'a regardé, ministre là tellement comme si son ministre qui prend les parties avec moi. Quand il est tellement occupé, même manger, m'a mangé, non? Tout bon. Hein? Bon, si m'a mangé, quand il y a un malgré dans la glace pour regarder combien de boutons il y a dans la figure, je ne sais pas, non, c'est les mesdames, il y a tellement de glace, tout le monde m'a dit ça, il y a une mesdames, il y a une glace, il y a une glace, il me dit, ouais, je ne sais pas, quand même, il y a une chèche, C'est où, gado, pas gagné, pas vague, il y a une chèche trop, ou pas inventé. Non, main, on fait un boule. Vous comprenez? Et puis, quand on a commencé à bégayer tout, bye vague, occupé de l'autre bagaille. Bon, il y a une étude qui fait dans les États-Unis, American Psychological Association, c'est une association des psychologues américains. Dans la revue, il dit que dans l'enquête que fait en 2014, il y a 72% d'Américains adultes qui disent qu'ils ont inquiété au sujet de l'argent. Vous comprenez? C'est un bagage pour pays sous-développé ou bien pour pays développé, non? Tout le monde inquiété de l'argent. Ça, c'est pour dire que tu es frère, je contrôle. Pour dire que tu mets tout le problème par la prière, par des supplications. Et tu mets merci pour lui parce que je suis grand jusqu'au jour. Et bien, 22% de monde, ça a dit non seulement ils sont stressés à propos de l'argent, mais son stress qui va aux maladies. États-Unis, oui, pour les business mondial, je ne comprends pas. Ça veut dire. Ou a stressé tête là pour composer sur le bord, ou à l'États-Unis, un jeune job là, ou a stressé tête au pire. Parce que, certains bonnes, on les parti avec nous, on a couru, tout le monde a couru derrière un bon bagaille. Nous courons derrière, chaque bon Dieu dit non, détachez-nous. Chaque bon Dieu dit non, vous nous baillez tout. Les baillez. Dans Deutéronome 24, bon Dieu dit peuple, traitez moun bien, baillez moun. Verset 17, Deutéronome 24, 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger. Pas exploiter moun et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Pas faire ça mal à moun qui est un peu vulnérable. Verset 18. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Magali, trop verset matin, mais n'apprends verset 19. Deutéronome 24, 19. Dis-nous. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Ensuite, nous parlons de bon Dieu pour le dire. Et pas même oublier, bon oublier, non, quitter un peu même. Dis, non, quitter un peu pour le monde qui n'a besoin. Bon Dieu, pas de vouloir que le monde qui n'a besoin en Israël. Et bon Dieu, le peuple a des commandements pour qu'on apprenne qui gens pour vivre bien. Je dis, non, je ne m'en ai pas couru derrière l'argent. Là que bon Dieu, il condamne mon ça. Bon Dieu, dans Jacques 5, verset 1er, bon Dieu condamne mon cap enrichi au mal. Bon Dieu, pas gagné contre riche, contre mon qui gagne pile bien. Et pas problème dans ça. C'est là nous fait mal, richesse mal acquise. Dans verset 1er, Jacques 5, il dit non, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viennent sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Verset 4 l'a montré nous un peu de qui mon Dieu a parlé. Mon cap exploite mon mal. Ce n'est pas mon qui est riche, mais mon cap exploite mon pour faire comme. Dit voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ils ont papé, ils ont exploité, ils ont fait comme le mal. Bon Dieu pas veut pas ça. Bon Dieu pas veut nous même pour entrer dans la même logique ça en tant que chrétien. Qui modèle qu'on a baï si tout ça mon a fait. Je dis le bon Dieu pas nous baï ça. Les personnes qu'on est en tant que chrétien, mon a couru derrière ça, mon a couru derrière toujours. En Haïti nous sommes pays en pile magouille, c'est pas rien apprendre personne mon là. Nous sommes pays de magouilleurs qui fait rapine, qui fait tout cas de bagages, c'est ça que lié. Tout le monde en général, le dit tout le monde en général comme m'a parlé, une exception mais en général, c'est comme ça que lié. C'est un pays les plus corrompus du monde. Mais quand on est en pile là-bas, c'est les chrétiens qui ont fait, vous êtes comme ça? Et ça qui est pire, c'est les chrétiens qui ont fait. Bon Dieu, pour nous retirer quand nous sommes dans la logique, ça. Retirer quand nous dans la logique monde, là, nous entrer dans la logique pâle. Un Timothée 6, 10, dit non. Il dit non que l'argent va gagner la donne, mais l'amour de l'argent, c'est ça qui fait nous faire des bagages qui mal. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je vais vous donner un exemple rapide. Qui ça, Cob? Mon cap cherche Cob. Qui ça, côté qui mène un monde, côté qui mène un pays. Non, tout ça qui n'est pas bon. Un bon exemple, c'est un exemple que je vais partager avec nous, que nous tenons dans Jacques chapitre 5. C'est Congo. Congo, c'est un pays qui est plus riche en ressources naturelles dans le monde.
Et pourtant, c'est un pays où on a vu de façon qui est plus pauvre dans le monde. Oui, ben ça n'est pas mélangé. Congo, son pays, tu montres dans qui ça que le gagne. Congo gagne ressources, il gagne mine diamant. Ça suffit pour payer bien vivre, bah oui. Diamant, c'est pas rien qui cher. Il gagne mine l'or, il gagne cuivre, il gagne étain, il gagne coltan. Nous allons expliquer nous ça coltan tout à l'heure. Il gagne bauxite, il gagne fer, il gagne manganèse, il gagne charbon. Et pas bois à bouler pour faire charbon, non? Il gagne mine naturelle charbon. Il gagne pétrole. Bon, diamant et pétrole qui t'en suffit là pour payer ça de bien vivre. Mais on se comprend. Yo gagne gaz méthane, yo gagne cobalt et 40 lots toujours. Son pays, yo n'a pays qui plus riche en ressources naturelles du monde. Et pourtant, mon a vivre très mal dans pays ça. Pour que ça toujours gagne guerre civile. Pour que ça guerre civile parce que monde qui a fait petit feu levé pour pendant y a bataille et puis on mon a exploité diamant, on mon a exploité pétrole là. Mais on comprend là que bon Dieu obligé punir bah ça. Mais bon Dieu dit ben, si c'est comme ça mon monde la vivre puis pour moi avoir pour rentrer dans même logique là tout. Il va faire sens. Coltan ça autant de que Congo gagne. Il gagne 80% de coltan la caille du monde. Comme si tout l'autre 20% dans tout l'autre pays gagne. Lui même seulement, il gagne 80% qui ça coltan est. Coltan c'est une matière, un matériel que utilisé dans tout appareil électronique qui existe dans monde ça. Ça veut dire il dans poche dans toute la qu'on a là. Par contre, c'est comprendre moto gens important. Et il utilise le tout dans réacteur nucléaire. Donc pas besoin d'eau. Et 80% la donne c'est congolais. Et puis Congo, moun y a vive mal, moun y a pauvre, dans misère. Pour qui ça? Parce que gon moun kap exploité, gon moun kap enrichi mal. Toute qualité, ni moun qui en indigène, ni moun qui dans pays, ni moun sort de l'autre côté, tout pour nous venir mettre ensemble. Donc bon Dieu dit nous mêmes nous pas rentrer dans la même logique ça. Faut que nous devons l'autre façon de vivre. Bon Dieu dit nous capable prendre soin non. Take frein non. Ferme confiance. Développer talent non. Riche éducativement pour bon Dieu. Riche en termes de talent non pour bon Dieu. Riche en termes de biens matériels non, mais pour bon Dieu. Pas exploiter monde, pas faire comme mal. Faire bon Dieu confiance pour mener nos côtés nos besoins, côté nos besoins aller. Amen. La Bible dit non. L'important pour nous perspective donc bien placée. Autrement, nous pas dit que hein? Matthieu 6, 21, pour nous terminer, dis-nous, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Côté cœur, il y a matin. Derrière qui ça, quoi, courir? Posez-toi une question, ça. Notre Père Céleste, nous te remercions pour parole. Nous nous remercions, Seigneur, qu'on rende clair pour nous-mêmes, que nous ne devons pas vivre à la manière du monde. Ou bien nous ayons l'autre façon de vivre. Mais ça a commencé par le salut. Peut-être que nous avons une salle pour nous même faire la paix avec qui pour avoir une relation avec vous. Qui peut-être pas même comprendre la vérité, ça. Yo. Mais maintenant, on est clair pour eux-mêmes. Que le monde n'a pas de façon que la vive, qui ne peut mener aucun côté qui est bien. Le monde, peut-être, ça que la joué, il pense que la joué pendant un temps, mais c'est un bagage temporaire. Moïse fait choix, ça. Il dit, moi, préféré souffrir avec le peuple de Dieu, tant pas jouer, ça gagne dans le monde, ça. Parce qu'il connaît que on va juger tout ça qu'il a fait dans le monde, ça, qui n'est pas conforme à la volonté. Yo. Et dis-nous, Seigneur, pour aucun monde qui est dans la salle, dans le moment, ça, qui n'est pas tombé sous jugement, mais qui admet que c'est des pécheurs, qui admet qu'ils ont besoin, dans la relation qu'on veut gagner avec eux, qui veut le tout, une relation d'amour, quand ils vous montrent qu'ils ont l'autre façon de vivre. Et vous avez toujours prospéré, nous, à tous égards, genre, on dit non dans un genre. Mais on dit non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Et dis-nous, Seigneur, pour nous, pour cet esprit, pour nos onctions nécessaires que nous besoin, Seigneur, pour nous pas peur monde, mais pour nous gagner courage, pour nous dire non à la magouille, non à l'exploitation des autres, non à la violence, et oui au Seigneur Jésus. Nous devons merci, nous prions, dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.